Hier lundi 8 janvier, plusieurs manifestants pro-palestiniens ont bloqué plusieurs ponts avec Youtinel dans la ville de New York. Les gens pour demander un cessez-le-feu, camper tiré immédiat dans le conflit Israël avec Hamas qui durait déjà 3 mois. La police a arrêté plusieurs centaines de manifestants et puis est arrivé à réouvrir la route qui était bloquée. Selon les médias locaux, il y a plusieurs douzaines de manifestants qui ont chanté des slogans pro-palestiniens avec pancartes qui sont dans la main. Ils ont chanté dans l'entrée Pont Brooklyn, Pont Manhattan et Pont Williamsburg à travers le quartier East River. Vous avez chita tout bon entrée Roland Tunnel là qui passait en bas rivière Hudson là qui dit même connecté ville New York là avec ville New Jersey. Le porte-parole département de la police New York là te dit que la police s'est arrêté en tout 325 manifestants ça. Ils ont nettoyé, débarrassé tout côté yo avant midi. Magistrat ville New York là Eric Adams dit que droit pour moun protester, pas bay moun droit pour bloquer pont ak route yo. The right to protest does not give one the right to block bridges and tunnels, as we saw this morning. Droit pour protester, pa ba yon moun droit pour bloquer pont ak tinèl. Jan nou te wè matin, Williamsburg Bridge, Brooklyn Bridge, yon ou bien deux tinèl, d'après observation mwen yo. Nou te gen drone yo en léa et qui te permet mwen bien wè sa k'ta passé en dedans manifestation ça qui t'a supposé gen objectif pour protester pacifiquement sans yo pas faire gros désordre dans ville là. Gen kèk moun qui pas seulement conduire rentre sorti dans ville là pour aller dans travail yo. Gen kèk lot qui yo même a fait face à quelques vrais problèmes urgence. Mwen très clair. Ça fait nous tout mal pour nous la vie innocent perdu qu'on y a. Nous besoin faire tout ça qui possible pour nous finir avec n'importe qui bagaille right qui la cause que moun innocent perdu la vie. Mais Hamas yo doit détruire. Yo c'est une organisation terroriste. Zak Baba yo fait 7 octobre là, pas qu'à ignorer. Chaque otage yo doit laguer et puis permettre de retourner joindre famille yo. Et puis nous besoin joindre une résolution la peine dans ça qui a passé qu'on y a là. Réellement à travers globe là, pas seulement dans Moyen-Orient, ça qui a passé dans Ukraine, à ça qui a passé sous une partie dans continent Afrique là, pas une place pour la guerre avec monde innocent qui a perdu la vie. C'est comme ça, magistrat ville New York là, Eric Adams s'est parlé pendant une conférence pour la presse. Manifestation était organisée par organisation Jewish Voice for Peace, mouvement jeune palestinien, avec organisation socialiste démocratique américaine chapitre New York. Parmi plusieurs autres groupes défenseurs palestiniens, selon ça qui a été dit sous plateforme X là, ancien Twitter. Campagne militaire peuple Israël là t'est dirigée dans Gaza contre Hamas, t'est tué plus passé 23 000 Palestiniens. Selon ça, officiel local a été dit. Alors que peuple Israël a dit que Hamas qui avait plus passé 100 otages sous 240 qui ont été pris pendant l'attaque qui a été faite dans la date 7 octobre là. Sous peuple Israël là, côté que 1200 personnes ont mouru. Peuple Israël a accusé Hamas comme quoi il a opéré dans la population civile là. Et officiel militaire israélien ont publié vidéo et photo, ils ont dit qu'ils supportaient réclamation ça. Militants Hamas yo beaucoup de pays ont cémenté pour détruire peuple Israël là et ont démenti accusation ça yo. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York.